Les amis, j'espère que vous allez bien. On est en Belgique pour essayer quoi? La nouvelle Audi A5. Non, là, c'est pas la nouvelle, c'est la version redessinée. Celle qui est un peu... Voilà, ça fait 3 ans qu'elle existe. Audi a essayé un petit peu de renouveler hein, la gamme Audi en faisant 2-3 coups de crayon sur la face avant et la face arrière et aussi un petit peu à l'intérieur. Mais je vous promets, c'est pas des grandes révolutions. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on a trouvé un petit spot assez sympa sur le port d'Anvers. Impressionnant. Et on est avec l'ami Jalil, Kwame avec son S5 et Arnaud de... Je sais pas ce que vous en pensez un petit peu de cette colorie, hein, ce coloris vert district qui est vraiment super beau. C'est très audacieux de la part d'Audi de nous sortir un joli coloris comme ça. Accélération 0 à 100 et on va essayer de rattraper le tram hein. Ah ouais, joli petit bruit quand même. Ouais, ça va, c'est assez bien travaillé. Tout va mal. 0 à 50 ça va vite. En tout cas, objectif réussi. Ah, mission réussie, on a rattrapé le tram. Ouais, on est en train de découvrir. Alors on n'est plus à Bruxelles, on est à Anvers. Et on vous montre un petit peu l'envers du décor. Hein, c'est pas, il fallait que je le place, j'allais. C'était obligé. C'est obligé. Cette vanne, c'était obligé. C'était obligé. Quand tu vas en vert, t'es obligé de faire cette blague. Hein. C'est... Donc, par contre, l'architecture, on est sur le port. Dans les environs du port, en tout cas, on explore des nouvelles contrées entre design, architecture et contravention. Est-ce qu'on peut pas du tout aller là? Alors tu me disais, je sais pas si on nous entend parce que franchement le son ça va être un peu pourri avec le vent, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tu me disais l'arrière, il en jette sa mère. Ah c'est ouais, un peu ça. Non, c'était pas ces termes, c'était, mais c'était l'idée. Ouais, je trouve ça très beau. Franchement, pour moi et depuis tout à l'heure en fait on fait que de photographier l'arrière, alors que l'avant bon on le connaît un peu plus, mais l'arrière même avec une S5 tu te dis voilà, il y a déjà ces deux grosses sorties d'échappement. Alors, il y en a une qui est fake ici et une qui est vraie. C'est des sorties trapézoïdales. C'est un peu la nouveauté. Hein. Sur l'arrière, ouais. C'est les feux un peu à effet 3D avec du relief. Ah et ouais. Que ça apporte une vraie touche. Ça, c'est les feux. C'est sympa stylistiquement. Pardon. Ça, c'est le restyling qui permet ouais, de faire ça. Hein. Exactement. Et ça donne un petit côté caractère. Une nouvelle signature lumineuse. Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau. Ici, on a un petit quoi? C'est un petit béquet qui surplombe le coffre. J'aime bien aussi le logotage noir. Je sais pas si ouais. C'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, c'est très beau. Et puis, ouais, c'est l'arrière est très, très massif, très sportif. Alors. Ici, on a des... T'as raison, c'est du 20 pouces. C'est du 20 bravo, pouces. Bravo, bravo. Petit logo ici Audi, c'est plutôt pas mal. On est sur une version S-Line. Alors, on a les étriers rouges et je trouve que c'est pas mal la config. Étriers rouges avec une couleur verte. C'est pas la grande révolution. Ah non, pas sûr. Du tout la grande révolution. On a une calandre un peu plus redessinée, single frame revue et corrigée. Qui intègre différents capteurs, différents radars. Et après, bah, c'est un peu tout quoi. Si t'as la nouvelle signature lumineuse aussi à l'avant, qui accueille les fameux feux Matrix LED, qu'est-ce que t'en penses toi, Jalil? Ouais, moi j'aime beaucoup, ça reste toujours très agressif. Ouais. C'est très Audi, hein. y a rien qui choque ou y a pas de révolution comme tu disais. Mais y a 2-3 petits trucs sympas. La signature lumineuse est belle et rappelle bien celle de l'arrière. Et j'aime bien le fait que si tu regardes bien là, en fait c'est une entrée d'air. Et ça permet d'optimiser, tu vois, niveau aérodynamique. Ah oui, et alors. Je trouve ça assez sympa. Là, c'est une fausse entrée d'air. C'est une fausse entrée d'air. Mais là, il y a une vraie. Sur le côté, ah oui, d'accord. T'as un truc qui te permet d'aller ouais. Jusque devant les voies. On croirait que c'est des anti-brouillards, mais non, en fait, c'est des capteurs. Ce sont les radars. Les radars. Ok. Et puis alors, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça osé pour une marque de cacher un petit peu le logo. Et de le mettre en noir. Et de le mettre en noir. Et bravo Audi parce que franchement, ça rend super bien. T'as l'impression que la voiture elle est déjà un peu tuningée, tu vois. c'est vrai, mais par rapport à la S5 là-bas qui a des logos pour le coup clair, ouais. Ça change pas mal. Ça change, par ouais, contre, carrément. C'est une vraie tannée en photo. Ah oui, c'est vrai. c'est un peu compliqué. Et pour la gendarmerie, parce que va repérer une Audi de loin s'il n'y a pas le logo. Hein. Merci Jalil pour tes commentaires. Avec plaisir.
disais oui, ça braque. Je disais ça braque bien. L'une à 5 braque. Faire un demi-tour dans un tout petit espace. Et oui, t'as été surpris. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réactivé la caméra. Hein, c'est parce que effectivement, t'étais en train de nous dire que ça braquait. Alors, c'est pas pour ça que tu vas prendre une Audi A5. Si tu vas prendre une Audi A5, clairement, c'est pourquoi. Si je prenais une Audi A5, alors si je la prenais en coupé, ce serait parce que je veux une voiture qui est ni trop sportive. Pour ça, tu vas plutôt vers un TT. Ouais. Ni sur une voiture ultra luxueuse. Pour ça, tu vas plutôt vers une A7 ou A8 ou choses comme ça. Mm-hmm. Mais t'as une voiture élégante, sympa, avec une taille à taille humaine, j'ai envie de dire. C'est ni trop ouais, petit, c'est vrai, ni c'est trop vrai. Gros. Alors, peut-être un peu juste pour la ville. Si t'es dans Paris, ça commence si, à si faire un peu faire long. Si c'est que de la ville, c'est ouais. Non, clairement, ouais. Vaut mieux. Là, City Carver, regarde. Eh ça fera partie des prochaines essais. Exactement. Je sais pas dans quel ordre je vais monter tout ça. Mais oui, c'est, mais ça vous allez l'avoir, cette Audi A1, City Carver. Oui, oui, oui. Bon. Et du coup, si je devais choisir une A5 en sportback. Alors, si tu devais choisir une A5. Pour le, pardon. Si tu devais choisir une A5. Faut déjà que tu aies 70 000 euros pour ce modèle en tout cas. Pour ce modèle en pour tout, ce cas. Modèle, ouais, en tout cas. C'est sûr que c'est onéreux, mais je choisirais ça plutôt qu'une A4 pour la simple et bonne raison que la forme est beaucoup plus sympa. Ouais. Et pourtant, à l'arrière, tout à l'heure j'y étais, c'est plutôt habitable. À l'arrière, ouais, on le voit pas trop, mais effectivement, c'est habitable. Non, ça va, c'est deux adultes sans problème. Ouais, exactement. Oh. Deux adultes sans problème. Ça serait un peu forcé quand même sur la troisième place. Surtout que t'as un tunnel. On a une version quattro, donc on a un tunnel de transmission. Ouais, mais par contre, la garde-toit est pas mal. Garde-toit. Malgré ouais. Le fait que ce soit un espèce de coupé. Ouais, bien sûr. Les amis, au choix, la S5 en bleu Bugatti, la S5 en rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a ce vert District qui est très très beau, magnifique. Ensuite, nous avons les petits kékés. Voilà, tu décapotes alors qu'il fait 5 degrés dehors. Ouais, c'est bien les gars. Elle est belle aussi. Alors les amis, de nuit, c'est plutôt une belle ambiance. On a des petites LED hein, ici, sur les portières. On a une lumière qui illumine les contre-portes en Alcantara. Non, c'est très très beau. Belle mise à jour pour cette A5 restylé, c'est plutôt pas mal. Toujours qualité de finition impeccable, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Imitation carbone, volant redessiné, plateforme, tableau de bord redessiné, un plus gros écran ici de 10 pouces. Voilà, petit point de comparaison, ça c'est bien l'ancienne A5 Sportback, alors elle était déjà plutôt belle, mais c'est vrai que là, la nouvelle, et puis en plus la A5 redessinée, la restylée, elle est encore plus jolie, vous allez le voir, c'est très très beau. Petit point conso les amis, 6,2 litres au 100, c'est très très correct, hein, puisqu'on a fait de la ville, de l'autoroute, sur à peu près une trentaine de kilomètres, donc voilà, un gros moteur V6. Un gros moteur 6 cylindres plutôt, diesel, 286 chevaux, capable de faire des beaux scores de consommation, et ça c'est plutôt pas mal. Alors nous avons devant la version S5 hein, qui a fait pas mal de polémiques puisqu'elle est diesel cette fois-ci. On a plus de 300 chevaux, 347 chevaux sous le capot, moteur diesel, 4 sorties d'échappement, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Moi je suis dans l'impro. Et tu me disais la concurrente directe, c'est la série 4 Grand Coupé qui vient de se garer là. Bon, malheureusement on la voit pas bien, mais exactement la même que nous chez BMW. Je suis assez fan de cette BMW série 4 Grand Coupé, ouais, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très partagé entre la 5 Sportback ou la BMW. Je sais pas, toi tu choisirais quoi? C'est pas tout à fait le même style. J'aime bien le fait que l'Audi elle soit vraiment très agressive, etc. Ouais. Mais il y a plus de formes un peu rondes et sympas sur la BM. J'aime bien les deux. Ouais, les deux sont pas j'aime mal. Bien les deux. Chez Mercedes, il y a quoi, tu sais? Chez Mercedes. T'as quoi? T'as. Il y a pas de. Si, t'as la classe coupée. Ouais, mais c'est un coupé. Non. Ah ouais. Chez Mercedes, ouais. T'as le CLA plus petit. Ou t'as la CLS. Le CLS beaucoup plus gros. Mais il y a pas d'entre-deux. Les deux, il y a pas. Ouais, ouais, ouais. Ambiance très qualitative avec des bons matériaux. Alors, on ne sait pas du carbone, hein, je crois pas. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit du vrai carbone. C'est mais du simili carbone. C'est bien fait. Mais c'est quand même bien fait, ça rend super bien. Qualité parfaite. On n'est pas dans une Rolls, mais c'est vrai que le travail des boutons est super bien calibré. Il y a un petit bruit vraiment aussi bien travaillé.
Mais ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de, même sur les contreportes ou quoi, il n'y a pas de plastique qui font vraiment cheap. Non. Etc. C'est, on est sur une A5. Un beau produit, quoi. On est sur une A5. Ouais, c'est un très beau produit. Moi, je pense que déjà l'écran est beaucoup plus gros en plus. Ah, ouais, non, ça, oui, système multimédia, c'est. Et limite, c'est peut-être c'est le point noir. C'est cet écran collé un petit peu sur cette console. C'est, je sais pas, toi ça te choque ou pas? Ça me choque pas. Il est assez imposant, ouais. Mais comme il est plutôt fin et qu'il n'y a pas des bords non plus c'est vrai qu'il est fin. Énormissime, je trouve pas ça gênant. Même si je préfère quand même les écrans intégrés. Mais... Ouais, c'est vrai. Alors au niveau conduite, t'en penses quoi à conduire? C'est un kiff, hein. Le peu que j'ai conduit jusqu'à présent, c'est super doux. Parce que t'as conduit sur 100 mètres, hein, je rappelle. c'est très très doux, bien insonorisé. Ouais. Et vraiment confortable, sauf sur les. Comment dire, les raccords de la route ou si la route est en mauvais état, ça se sent parce que ça percute un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sec. Bon compromis entre dynamisme d'un côté et confort de longue ultra polyvalente, ça c'est sûr. Exactement. Encore plus sur cette version Sportback, puisqu'on a du coffre, on a 5 places et on a 4 portes, et ça c'est super pratique. Et elle a de la gueule, faut pas se le. Elle a vraiment de la gueule. Plus... Surtout dans le vert. Hein. Ah ouais, alors côté A5, vous avez aussi la version coupée, Sportback, et la version cabriolet, qui était plutôt pas mal. Et là, vous avez un autre design de face avant, avec des chromes un peu partout. En revanche, le coffre, pas trop simple. À ma gauche, on teste le son. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, là, il n'y a rien qui va sortir, et là, c'est fake. Presque fake. Alors, t'en penses quoi, Arnaud? Ça manque un peu de son, quand même. Ça manque de son. On est sur un diesel. C'est ça aussi. 4 roues et un volant. C'est toi, hein? C'est lui. Là, t'as essayé quoi ce matin? S5. La petite S5 coupée. Ouais. Coupée, et ici, c'est nous coupée aussi. Ah non, c'est la Sportback. Ah, elle est magnifique. Avec le bleu, elle est beau. Très très belle. Et là, on a une version cabriolet. Alors, on va la suivre. Premier fait la pause avec sa S5. Sachez que cette S5, c'est une diesel. Mais franchement, la config est plutôt pas mal. Ça lui va plutôt bien. Moi, j'aime bien. Quoi mieux, elle vaut combien cette config? 100 000 100 000 euros, voilà. 100 000 euros pour cette S5. Ça fait un petit billet quand même. Alors après, il faut aimer le diesel sportif, mais bon, après, chacun ses goûts. Alors, c'est pas un essai complètement détaillé, c'est juste une découverte un petit peu de cette nouvelle Audi A5. Je dis nouvelle, mais en fait, c'est une A5 redessinée. Ils ont fait quelques changements esthétiques sur l'extérieur et l'intérieur. On va dire, en gros, c'est pas la grosse révolution. Non, ce que je veux vous dire, c'est que là, aujourd'hui, on a une belle révolution, c'est au niveau mécanique, au niveau moteur. On a un moteur 6 cylindres de 286 chevaux, et surtout associé à la micro-hybridation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence, ça part direct, regardez. Un petit peu quand même, mais ouais, désolé Jalil, c'est lui qui tient la caméra, mais c'est vrai que c'est super couplé. On a 620 Nm de couple et on a ce putain de GPS qui, à chaque fois que je parle, intervient dans ma discussion. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a un gros couple, 620 Nm, donc ça pousse très très fort. On a une boîte Tiptronic, à 8 rapports, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'elle est super réactive. Et en plus de ça, on a une accélération de dingue. 0 à 100, devinez en combien de temps? 5,3 secondes, c'est quand même plutôt pas mal pour un diesel. Alors après, tous ceux qui veulent un moteur encore plus puissant diesel, il y a la S5, mais honnêtement, celui-ci, il est déjà largement suffisant. En termes de comportement, ça vire quand même plutôt bien à plat. En plus, on a les suspensions pilotées, et en mode dynamique, c'est un vrai kiff hein, quand même. Même en mode dynamique, en mode confort, un peu plus confortable bien sûr. Malgré les jantes de 20 pouces, ça reste confortable au quotidien. Consommation, 5,5 s'il est trop 100, franchement, que demander de plus, honnêtement, cette A5, ah, on a la S5 en face. Coucou. Non, honnêtement, c'est un bon produit, mais par contre, c'est vrai que c'est le prix est un peu premium, malheureusement. Voilà, les amis. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez en commentaire hein, de cette Audi A5 redessinée.